C'est un également de 80 et forcément comme le sac, le dernier point de cette danois qu'on le surnomme l'impolon de la jambe canine en raison de sa fameuse clôture. Ouais, c'est pas grave, c'est vrai que c'est passionnant. Et du coup, il avait des problèmes. Michel m'appelle. Allô Michel. Amaury. Salut. En fait, on est sur scène. Ouais, Amaury, je suis désolé. Excuse-moi, mon grand Tamillon, je te téléphone, tu passes en deux secondes, d'accord? Non, je suis avec l'autre, là, Ol Machin, à Paris. Ouais. Ah, t'es aussi à Paris, toi? C'est ah, c'est top, on ça. On peut pas avoir Damien à la maison, à manger, parce qu'il était un petit peu sur le terrain tout le temps, et il avait des... Excuse-moi, mon grand, je suis avec Michel, là. Combien de temps il dure ton spectacle pour que je puisse te rejoindre? Je sais pas, c'est pas le problème. Excusez-moi, je prends un peu la mouche, mais j'en viens pour revenir avec nous, c'est pas très correct pour les gens qui payent leur place. Merci, Amaury, de la présentation. Je vais te rappeler, ça va être ça. Je suis capitaine Cousteau, et je suis spécialiste en stockage d'animaux. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, un dauphin, qu'est-ce que moi? Ramenez-le si ça sert à rien. Il y avait des problèmes psychiques, il y avait aussi quelques problèmes physiques, hein, il y avait d'énormes amygdales. Donc on a dit les amygdales cérébrales. Les amygdales dans la gorge, les amygdales du chien. La gorge. En plastique pour pas qu'il puisse se lasser les poils qui sont en plastique blanche, qui sont toutes mignonnes. Et polyuréthane plutôt. Non, c'était en plastique, donc on va tout faire. Mais non, ça se fait depuis 30 ans. En polyuréthane, sinon les poils accrochent dessus. Oui, en polyuréthane, ça change tout, vraiment très très intéressant. Et du coup, on l'a emmené un jour avec cette collerette, se balader, voilà. On se baladait et au parc de Sceaux, à côté de là où j'habite et tout. Et donc on se promenait, c'était très sympa, une ambiance plutôt bucolique. Et là, une pluie mais terrible, terrible, ça va sur le parc. Et briser la. Oui, bonjour, oui, c'est ça, ça serait pour avoir une voiture. Oui. D'accord. Oui. Lâchez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Oui. Alors, oui. Je suis à l'eau comme ça, c'est ça. Et donc, il y a eu un instant. Excuse-moi, je suis avec un taxi là, j'ai pas l'adresse d'ici, tu peux me la donner s'il te plaît? Non, je sais pas non plus. Ah, moi j'aimerais vous revenir avec lui, je monte un peu le ton. Voilà, c'est pas très correct. Merci d'avance. Voilà, je suis désolé. Je vais finir juste mon histoire. Je suis capitaine Cousteau et je suis spécialiste en sauvetage des animaux. Oh mon Dieu! Un éléphant de mer échoué. Mon Dieu! Mais c'est une femelle! Elle est certainement en chaleur. Elle essaie de me dire quelque chose? Alors non, tu ne m'intéresses pas, petit éléphant. Pas du tout. Arrêtez, non, laissez-moi tranquille, vous ne m'intéressez pas. Non, non. Elle est enceinte. Non, non, non. Donc on se promenait au parc de Sceaux, où j'habite, et la pluie terrible ça va sur le parc de Sceaux. La pluie ficelle des corps entières, moi je pourrais aveugler dans le carcan de mes certitudes, et donc Bello a rempli la collerette et Poppy s'est noyé. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà une nouvelle chanson sur les animaux, mais c'est également tout simplement le moment de notre tube. Let's go.
les chants. Les chants et les trous. Mais je pense qu'on peut le faire ensemble. Parce que je me sens bien. Je sens que vous êtes un peu foufou. Ça commence, attention. J'ai chaud. J'ai chaud.